Ça, CFLBP, prévu de la semaine. Spartan Fit Freak, grosse annonce. Le dimanche va être maintenant consacré à des cours de Spartan Fit. Donc, les deux classes vont avoir 10h et 11h. On va mettre de côté pour l'été les Hero Watts. Ils sont super le fun à faire. Ils sont aussi très demandants. On va profiter de la belle saison pour se concentrer sur les cours d'endurance. Donc, il ne faut pas oublier que nos cours de Spartan Fit, c'est des cours un peu qu'on peut appeler du CrossFit en endurance. Donc, on va travailler sur une échelle de temps un petit peu plus élevée. On va réduire les charges, on réduit la complexité des mouvements. Donc, on va surtout courir beaucoup à l'extérieur. Quand il y aura moins de neige sur le côté, on va repartir le mur de Spartan Walk, en effet. On va se procurer des pneus tracteurs pour que tout le monde puisse en avoir. On va avoir des sleds aussi qu'on va pouvoir tirer. Donc, on va vraiment mixer beaucoup de choses là-dedans dans Spartan Fit. Fait qu'à partir du 15 mai, pas le dimanche qui s'en vient, l'autre, on va commencer à faire ça 10h-11h pour le Spartan Fit. Pourquoi on ne commence pas le 15 mai? C'est que dimanche qui s'en vient, on va faire le WOD Marianne. On va se joindre à nos amis de CrossFit Chambly qui ont une terrible nouvelle. Une fille de leurs membres s'est enlevée la vie pour des raisons qui sont difficiles à comprendre. Donc, on va se joindre à eux. On va faire le WOD qu'ils ont fait en honneur à Marianne dimanche. Puis on sent que toute la communauté de CrossFit se serre un peu les coudes dans ces moments-là, quand c'est des moments difficiles. On veut montrer notre solidarité à d'autres centres de CrossFit qui vivent des choses qui sont pas cool. Fait que dimanche, on va faire ce WOD-là en pensant à eux. Ce qui nous amène un peu sur le preview de la semaine qu'on va faire. On est en test week. Ça fait déjà 7 semaines qu'on a travaillé notre cycle. C'est le temps de revalider tous les efforts que vous avez mis là-dedans. Est-ce que ça a porté fruit? Est-ce qu'on est à la bonne place? Donc, demain, on reprend ça avec Jackie, qui est four-time 1000 mètres de rameur avec 50 thrusters à 45 ou 35 et 30 pull-ups. Suivi de 12, 9, 6 handstand push-up, front squat, burpees over the bar. Mardi, on a 10 rounds, un legless rope climb et 20 kibi front rack lunge. Suivi de AMRAP 8 minutes, 16 push-up, 12 pistols. Pistols, vous en rappelez, je pense qu'on a travaillé beaucoup ça dans la semaine, dans les 7 semaines, donc j'espère que ça va payer. Et ensuite de ça, pour le Spartan Fit, on va prendre le même WOD que vous avez fait jeudi. C'est un relais de 8 km à rameur. Il y a des, pendant qu'une personne fait le rameur, il y a des squats, sit-ups, puis kibi swing. What's super le fun. Pour mercredi, on a du Olympic lifting, on a du clean and jerk ou snatch. Ensuite de ça, où vous allez chercher votre 1 RM de front squat ou power clean. Donc, j'espère qu'on va avoir beaucoup de PR mercredi. Et pour terminer, on a AMRAP 8 minutes, 3 snatch ou front squat, 6 clean and jerk ou power clean et push press et 9 chest to bar ou pull up suivi de 36 double under, donc AMRAP 8 minutes. Donc, belle épreuve de force, belle épreuve de cardio qui s'ensuit après. Jeudi, on a notre mental toughness. On a filthy. Non, c'est un genre de filthy 50, mais c'est pas ça pour tout. On a 50 calorie row, 50 box jump over, 50 deadlift, 50 wall ball, 50 ring dips. Puis là, on vient 50 wall ball, 50 deadlift, 50 box jump over, 50 calorie row. Avec un time cap 35 minutes, là, donc ça va être assez salé pour ça. Pour le Spartan Fit, on va reprendre un WOD que vous avez fait la semaine suivante, la test week, parce qu'on n'était pas 2 fois semaine à ce moment-là. Donc, on a 100 burpees, 90 sit-ups, 80 air squats, 70 kibi swing, 6 rope climb, 50 front rack lunge, 40 ring row, 30 push-ups, 20 goblet squats, 100 single under. Fait qu'on peut voir que pour le Spartan Fit, là, pas toujours pour les doux, là. Okay? Vous allez trouver votre compte là-dedans, sans aucun doute. Si vous ne l'avez jamais essayé, là, let's go pour le Spartan Fit. Et vendredi, AMRAP 7 minutes, 8 hang power snatch, 8 ring dips, 16 wall ball. Suivi de AMRAP 7 minutes, 8 hang power snatch, 8 pull-up, 16 med ball clean. Et 3 rounds 4 times, 3 rounds 4 times, 16 hang power snatch et 12 thruster. C'est votre semaine de WOD. J'espère qu'on va avoir plein de PR cette semaine. C'est tout le temps le fun ces semaines-là. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. On se voit dans le gym. Ciao!